Tu vois, moi, je trouve ça plus naturel, comme... Dans cet espace de travail, l'esprit créatif de toute une équipe est mis à rude épreuve. Quelle forme, quelle dimension, quelle matière ? Ensemble, Romain et Sacha imaginent la future pièce maîtresse d'une enseigne de mobilier contemporain. On présente toujours d'abord des esquisses un peu comme celle-ci, qui sont des esquisses qui reflètent assez bien le produit fini. Et à partir du moment où, sur dessin, on tombe d'accord sur une idée bien précise, là on rentre dans une phase un peu plus technique du développement du modèle en réalisant ce produit en 3D. Et c'est précisément ce qu'on est en train de faire à l'écran. S'il est aussi pointilleux avec ses collaborateurs, c'est parce que Sacha sait à quel point le respect des consignes industrielles est important dans la création d'un produit. Vous avez cette part d'artiste en vous, parce qu'il s'agit de faire quelque chose de beau, quelque chose d'esthétiquement fort, mais vous êtes dans un univers industriel. Et il s'agit quand même de produire un objet, de l'industrialiser, de le vendre, et vous avez quelque part cette responsabilité aussi. Ouais, mais ça veut dire que soit il faut réduire le rayon, soit il faut... Son goût prononcé pour l'esthétisme remonte à son plus jeune âge. Son père, styliste et modéliste, travaillait pour les plus grandes maisons de couture parisiennes. Une enfance également marquée par une passion pour l'automobile, avec un déclic. Ce qui m'a réellement bouleversé, c'était le jour où j'ai vu sur le chemin de l'école une Ford Mustang, celle que conduisait Steve McQueen dans Bullitt. Oui, je sais, ça fait un peu cliché, mais pourtant c'est la réalité, obligé d'en parler. Parce que c'est une voiture qui m'a vraiment ému. C'est justement dans le secteur automobile qu'il débute sa carrière, avant de lancer sa propre agence de design en 1994. Installé au Luxembourg depuis peu, il partage désormais son savoir avec de jeunes designers étrangers. Acha est suédoise, Dimitri et Romain sont deux Français installés au Luxembourg. C'est quelqu'un de très passionné par ce qu'il fait. C'est vrai qu'on est toujours en train d'avoir des nouveaux projets, d'avoir des nouvelles choses, des nouvelles idées. Et nous, on essaye de rebondir là-dessus. Et c'est aussi quelqu'un d'exigeant. Après les avoir imaginés puis industrialisés, c'est dans ce magasin que les créations Sacha Lakic sont commercialisées. L'occasion d'avoir des retours positifs sur son travail. Il y a toujours cette patte, il y a toujours une courbe, il y a toujours un graphisme, il y a toujours des petits détails que le client ne perçoit pas forcément tout de suite. C'est vrai qu'il y a le côté amitié avec Sacha qui fait qu'on a tendance à adhérer à 100% à chaque fois qu'il nous sort une collection parce qu'elle est tout juste fabuleuse et on a une expérience de travail avec Sacha depuis plusieurs années maintenant de collaboration. Des années de collaboration récompensées. Ses créations lui valent régulièrement des prix internationaux, preuve que Sacha Lakic sait faire rêver par son talent et son ingéniosité. On aimerait bien avoir...